des taux d'intérêt historiquement bas qui dégringolent encore. Jamais un emprunt immobilier n'aura coûté aussi peu cher. 1,55% sur 20 ans. Une situation exceptionnelle qui a permis à Laurent Dieudonné de réaliser son rêve, acheter une maison. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec un revenu mensuel de 1 350 € net, les banques refusaient de lui accorder un crédit. Mais des taux bas signifient rembourser moins chaque mois. Il a donc finalement pu emprunter 60 000 € à 1,8%. C'était pas évident déjà. Seul dans ma situation, j'ai pas non plus, j'ai pas un salaire de cadre. Les clés de ma propre maison, ça va être énorme. Ça va être déjà le jour de la signature, déjà, ça va être quelque chose de puissant déjà. Ce courtier a traité son dossier. Des cas comme le sien, il en voit de plus en plus. Le coût de crédit reste assez faible. Donc là, ça permet vraiment à une autre population de personnes d'accéder à la propriété. En 2008, pour emprunter 200 000 € sur 20 ans, un ménage devait toucher 4 000 € net par mois. Aujourd'hui, 2 900 € suffisent. Pour attirer de nouveaux clients, les banques multiplient les offres. Elle prête sur 25 ans, donc ça permet aussi à des gens d'emprunter plus ou de rembourser moins tous les mois. Donc c'est un des deuxièmes effets positifs des taux bas. Désormais, 37% des prêts sont consentis pour une durée de 25 ans. Mais accéder à la propriété reste difficile dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Bordeaux, où les prix de l'immobilier explosent.